Parfait. Bon, mais bonjour à toutes et à tous. On va débuter l'événement comme prévu aux alentours de midi. Donc, bienvenue à ce second événement organisé dans le cadre des activités pour souligner le 25e anniversaire du CRE Montréal. Je m'appelle Emmanuel Rondien, je suis directeur général de l'organisme. En fait, cet événement s'inscrit dans une série d'activités qu'on va vous proposer tout au long de l'année afin de jeter un coup d'œil dans le rétroviseur, mais aussi se projeter vers l'avenir avec des experts, des acteurs clés dans une multitude de dossiers environnementaux de la métropole. On a eu en ouverture il y a quelques semaines un premier panel qui a fait un tour d'horizon sur 25 ans de façon plus générale sur qu'est-ce qui s'est passé en environnement. Et en aménagement urbain. Aujourd'hui, on est très heureux d'accueillir nos panélistes sur la question de la gestion des matières résiduelles. À venir également, déjà, vous pouvez mettre à vos agendas, nous organiserons un autre panel sur la biodiversité au mois de juin et deux panels, un sur la mobilité et sur la qualité des milieux de vie durant l'automne. Donc, une série d'activités à venir. Les dates vous seront transmises prochainement. Aussi, je tiens à mentionner notre gala, donc le gala du CRE Montréal qui aura lieu le 29 avril prochain. Vous pouvez déjà, dès maintenant, réserver vos billets pour cet événement qui sera une nouvelle fois virtuel et qui va entre autres mettre en lumière plusieurs projets et initiatives en lien avec la gestion des matières résiduelles. Donc aujourd'hui, on se penche sur la question de la gestion des matières résiduelles. C'est sûr, c'est un dossier complexe aux enjeux multiples qui joue un rôle très important en matière de transition écologique. C'est un dossier sur lequel le CRE se penche depuis vraiment de nombreuses années, que ce soit par une participation au sein de comités, par le dépôt de mémoire dans le cadre de consultations publiques, et ce, tant au niveau provincial qu'au niveau municipal. C'est un dossier qui bouge à vitesse variable, puis je vais être très curieux d'entendre nos panélistes là-dessus, comment ça a évolué et bougé au cours des 25 dernières années. Mais qui, quand même, on peut dire, s'est un peu accéléré au cours des derniers mois, dernières années. On peut penser, entre autres, au plan directeur de gestion des matières résiduelles de l'agglomération montréalaise, à la mise à jour du plan métropolitain aussi de gestion des matières résiduelles, la consultation sur le gaspillage alimentaire qui a eu lieu il y a quelques semaines, et à l'échelle provinciale, actuellement, la démarche du BAP générique sur l'élimination des déchets ultimes. Donc, beaucoup de dossiers. Actuellement en cours autour de toute la question de la gestion des matières résiduelles. Je veux dès maintenant remercier nos panélistes pour leur temps, notre animatrice aussi pour cette disponibilité et cette participation à ce panel qui va être, j'en suis sûr, très riche et très enrichissant et fructueux. Puis, sans plus tarder, je passerai la parole à notre animatrice, donc Ève Lortie-Fournier, qui a accepté de jouer ce rôle. Ève est directrice générale du regroupement des écoquartiers depuis 2019. Elle travaille au sein des écoquartiers depuis 2015 et aussi a travaillé auparavant à différents mandats en lien avec le projet Sévère. Aussi, notez que Ève fait partie de notre conseil d'administration. Ève, sans plus tarder, je te passe la parole. Merci. Merci Emmanuel, merci pour cette belle conférence. Donc, je vais pouvoir présenter, c'est ça, nos panélistes. On commence par Amélie Côté. Elle est cofondatrice de la coopérative Zéro Déchet Incita et maintenant analyste en réduction à la source et consommation responsable chez Équiterre. Elle œuvre dans le domaine de la gestion des matières résiduelles donc depuis 10 ans. Active dans les milieux associatifs, environnementaux et de la participation citoyenne, elle a développé de solides connaissances au sujet de la réduction à la source, de la gestion des matières recyclables et compostables, ainsi que des enjeux politiques et environnementaux qui y sont liés. Amélie détient un baccalauréat en gestion publique, profil administration municipale et une maîtrise en environnement. Nous avons aussi la chance d'avoir Sophie Langlois-Blouin, qui est détentrice d'un baccalauréat en communication publique de l'Université de Laval et d'une maîtrise en environnement de l'Université de Sherbrooke. Madame Langlois-Blouin œuvre au sein de la Société d'État Recycle Québec depuis plus de 15 ans.
À titre de vice-présidente, elle assure la performance optimale de l'ensemble des dossiers opérationnels de Recyc Québec, en plus de coordonner la mise en œuvre des interventions prioritaires découlant du plan d'action gouvernemental en gestion des matières résiduelles. Et notre troisième panéliste est M. Karel Ménard, qui depuis 1995 est directeur général d'un organisme provincial spécialisé dans le domaine, le Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets. Son expertise et son implication dans le domaine de la gestion écologique des déchets font de lui un acteur incontournable dans les réflexions entourant les enjeux touchant à la gestion des matières résiduelles. Son travail ainsi que son engagement pour la cause environnementale l'ont mené à être un témoin, de même qu'un acteur privilégié dans tous les changements qu'a connu le Québec dans le secteur de la gestion des matières résiduelles au cours des dernières années. Merci d'être présent, tout le monde. Donc, pour débuter, une petite question pour commencer. Donc, comment qualifiez-vous l'évolution des pratiques en gestion des matières résiduelles sur le territoire de l'île de Montréal au cours des 25 dernières années? Dans un deuxième temps, quel a été les moments les plus charnières? Je commencerai en donnant la parole à Mme Sophie Langlois-Blouin. Merci beaucoup, puis très contente d'être là. Je donne ma perspective qui est peut-être un petit peu plus provinciale, mais ça met la table à mes collègues Karel et Amélie qui pourront poursuivre. Je vous dirais que l'évolution est quand même rapide, puis d'entrée de jeu, là, Emmanuel le mentionnait, s'accélère dans les dernières années. Là, je pense qu'on ne s'en souvient pas nécessairement, mais il faut se souvenir de où on part. Là. Ça ne fait pas si longtemps que la récupération est aussi systématique et dans nos vies. Il n'y a pas si longtemps, on avait des petits bacs bleus séparés avec... on enlevait les étiquettes de nos produits. Donc, il y a quand même eu une accélération des pratiques, mais surtout des possibilités pour les matières. Puis, je vous dirais, pour moi, là, qu'est-ce qui est marquant, puis ça fait, comme vous l'avez dit, ça fait 15 ans que je suis chez Recyc Québec, j'ai vu beaucoup de choses, mais je dois dire que les deux dernières années, puis les chantiers sur lesquels on travaille actuellement, pour moi, sont marquants, vraiment, là, parce qu'on accélère la transition, notamment avec la modernisation des systèmes de collecte sélective et de consigne. On l'a déjà dit, la consigne date de 1984. Les modalités n'avaient pas été revues depuis longtemps. Ça fait déjà plusieurs années que Recyc Québec travaille sur ces deux chantiers-là. Donc, on est très content de cette modernisation-là qui est en train de se concrétiser. Le projet de loi a été adopté. Puis de la modernisation en parallèle des deux systèmes qui, pour moi, est un facteur de succès. Là. Donc, je vous dirais, je pense qu'il y a eu quand même une évolution. Il faut voir le positif. Puis je pense qu'il faut accélérer les efforts pour aller encore plus loin. Merci. Est-ce que M. Ménard, vous voulez continuer? Oui, merci Eve. Donc, comme moi je suis, je ne veux pas dire le plus vieux, mais celui avec le plus d'expérience, on me le rappelle assez souvent, je vais commencer en partant de l'ère préhistorique, si on veut, pour la gestion des déchets sur l'île de Montréal. En fait, je vais parler de l'ère du feu. Donc, on a quitté l'ère du feu lorsque il y a eu la fermeture de l'incinérateur des Carrières. Donc ça, c'était un élément marquant, c'était au début des années 90. Ensuite, on a quitté l'âge de pierre, si on veut, justement avec la fermeture de la carrière Miron, qui est en fait le lieu d'enfouissement technique, le Saint-Michel, pour ensuite rentrer dans ce que j'appellerais la Renaissance, notamment avec la naissance des programmes éco-quartiers à la fin des années 90, où, comme Sophie l'a dit, avec le début véritablement de la collecte des matières recyclables. Donc ça a vraiment été un début de la gestion des matières résiduelles qui touchait les citoyens. Un autre événement marquant, toujours dans la Renaissance, c'est tout récent, je crois que c'est le PDGMR, le plan directeur de gestion des matières résiduelles de l'agglomération de Montréal, où on parle vraiment là, d'actions basées sur les trois R, notamment la réduction à la source. Donc, moi, ça m'a fait extrêmement plaisir de voir ça après plusieurs années à œuvrer justement pour qu'on parle de réduction et pas juste de recyclage, voir une grosse entité comme la ville, l'agglomération de Montréal, parler et mettre ça dans des actions concrètes de réduction à la source. J'ai dit, mon Dieu, tout ce que j'ai fait, tout ce qu'on a fait collectivement, bien, ça n'a pas été fait en vain. Par contre, je pense que l'ultime étape, l'ultime période, si on veut, c'est celle de la modernité. Donc,
j'espère qu'on est en train de rentrer dans cette période, c'est celle où on va véritablement voir la gestion de l'ensemble des matières résiduelles sur le territoire montréalais, incluant l'élimination. Donc, la gestion du déchet là, de A à Z se fasse de façon régionale sur l'île de Montréal, mais aussi sur l'ensemble des MRC ou des régions à travers le Québec. Donc, une véritable régionalisation pour qu'on repense, si on veut, ce paradigme, si on veut, d'élimination, qu'on cesse de fonctionner comme on fonctionne. On va dans un cul-de-sac au niveau de l'élimination au Québec si on continue à fonctionner toujours avec des gros sites qui accueillent, là, pour 5 d'entre eux sur les 38 et quelques au Québec, 5 d'entre eux accueillent 80 % des matières enfouies de la province. Ça ne fonctionnera jamais. Donc, il faut vraiment qu'on se prenne en charge tous et chacun pour gérer les déchets. Ça commence par la réduction à la source. Donc, je pense qu'on est bien parti sur le territoire de Montréal. Merci beaucoup. Ça dresse un beau portrait. Amélie, est-ce que tu veux compléter le tout et nous parler de tes moments charnières? Oui, je trouve qu'un des moments charnières que Karel a évoqué, qui est intéressant, puis je vais revenir dessus, Eve, ça te fera peut-être plaisir, c'est la création du programme des écoquartiers en 1995. Bon, ça fait 26 ans maintenant, mais je trouve que c'est un programme, tu sais, c'est de l'action de l'éducation environnementale ancrée dans les milieux locaux qui distingue beaucoup Montréal, qui est articulé autour des notions de sensibilisation, d'information, de formation et de participation citoyenne. Puis, ça revient toujours dans les enjeux en gestion des matières résiduelles que liser l'information, sensibilisation, éducation, c'est incontournable pour assurer le succès de n'importe quelle mesure qui va être mise en place. Donc, c'est conditionnel à l'atteinte des objectifs en GMR. Donc, on a la chance d'avoir un réseau d'organismes qui font de la sensibilisation à l'échelle locale, qui connaissent bien aussi leur territoire, leur quartier, les réalités. Donc, pour moi, ça a été un élément fort des 25 dernières années. Après ça, bien évidemment, les crises des matières recyclables en 2008, en 2018, où je crois de plus en plus de personnes ont été sensibilisées aux enjeux liés à la gestion des matières recyclables, une certaine conscientisation aussi par rapport au fait qu'on exporte encore des matières recyclables et à un besoin de traçabilité et de responsabilisation au niveau local. Donc, bien que pour les personnes en GMR, c'est un peu difficile parce que ça vient amener des réflexions par rapport à la confiance envers le système, c'est aussi un moteur pour mettre en place des changements concrets à ce niveau-là. Donc, pour moi, ça a eu un impact positif. Puis, je rejoindrai Karel sur la période de renaissance en cours au niveau de la réduction à la source du réemploi. Mais comme je le mentionnerai dans mes prochaines interventions, je crois que c'est encore timide, puis il y a encore beaucoup à faire là, pour mettre la réduction à la source, le réemploi de l'avant. Merci beaucoup pour ce bel éloge aux écoquartiers et pour ces belles réponses aussi. Ce sont effectivement tout ça. Est-ce que Madame Langlois, vous vouliez ajouter autre chose? Là, vous avez commencé, mais peut-être qu'avec ce qui a été dit, vous vouliez commenter autre chose. Bien, je dois dire, je suis d'accord totalement avec Karel et Amélie pour le volet accentuer les efforts au niveau de la réduction à la source et du réemploi. On le sait, c'est là vraiment qu'on peut avoir des gains. Puis surtout, il ne faut pas le voir comme un endroit où on a des contraintes, où c'est difficile, parce qu'il y a des opportunités économiques, environnementales et sociales aussi de ce volet-là. Puis on parle beaucoup d'économie circulaire du côté de Recyc Québec, où il y a plusieurs stratégies qui sont possibles. Puis le recyclage, c'est une des stratégies en économie circulaire, mais ça ne devrait pas être notre premier choix. Donc, je les rejoins au niveau d'accentuer les efforts. Puis on parle beaucoup aussi pour nous de faire du Québec une société sans gaspillage. On sait que des villes ont des objectifs, puis je pense que ça fait partie des choses que vous voulez qu'on parle aujourd'hui, des objectifs de l'agglomération notamment. Donc, je pense que collectivement, on est rendu là aussi de parler davantage de réduction à la source, de réemploi, mais de démontrer aussi toutes les retombées qui sont possibles dans des projets dans ce secteur-là, parce qu'il y en a. Il n'y a pas juste des contraintes, il y a beaucoup de retombées positives. Merci beaucoup. Donc, pour la deuxième question avec Karel, on pourrait débuter. Donc, quelle est, selon vous, la démarche, le projet ou l'événement le plus marquant en GMR des 25 dernières années sur l'île de Montréal? Est-ce
que Karel est là. Peut-être en attendant, est-ce que Amélie, oui, tu okay. veux... Est-ce que je suis là? Ok, oui. Je suis désolé. Donc, oui, c'est, je pense que ça a été la question qui a suscité le plus de réflexion chez moi et la plus difficile à répondre parce qu'il y a eu plusieurs événements marquants. Comme l'a dit Sophie, je crois, ça a bougé extrêmement rapidement et c'est exponentiel au cours des dernières années, les développements qu'a connus la gestion des déchets au Québec et particulièrement à Montréal. Je pense que Montréal, c'est un beau polaroid un peu de ce qui se passe à travers la province. Mais je pense que là, c'est ce qu'on a vécu là, au cours de la dernière année, c'est l'adoption du plan directeur de gestion des matières résiduelles où, comme j'ai dit, la plus grosse municipalité du Québec là, adopte des mesures assez, je ne vais pas dire sérieuses, mais assez fortes au niveau de la réduction à la source. Bon, on verra l'application, qu'est-ce que ça va donner, mais je pense que la volonté est là et surtout d'avoir inscrit la réduction à la source comme étant les premières actions, les premiers moyens pour justement parvenir à, ultimement au zéro enfouissement, je pense que ça mérite vraiment d'être souligné. Parce que avant, lorsqu'on parlait du zéro déchet, on était un petit peu considéré comme étant des extraterrestres, alors qu'aujourd'hui, ça a été repris par des institutions comme la Ville de Montréal, qui sont sérieuses, là, ma foi. Et je pense qu'il y a eu un bon travail là, de la part de la société civile, de la part des organismes, de la part des écoquartiers, de la part de tout le monde pour justement faire comprendre que ce n'est pas si irréaliste que ça et qu'il y a, comme Sophie l'a dit, qu'il y a des gains à faire, des gains sociaux, des gains environnementaux, mais aussi des gains économiques. Là. Je pense que continuer à vivre et à consommer et à jeter comme on le fait aujourd'hui, c'est ça qui est irréaliste. Ce n'est pas soutenable. Donc, il faut vraiment changer, comme j'ai dit, de paradigme. Ça ne veut pas dire faire une révolution, mais ça veut dire réaliser en fait qu'il y a d'autres façons de faire. Et je pense que la Ville a compris là-dessus. Donc, je pense que c'est vraiment avec l'adoption du PDGMR, du plan directeur de gestion des matières résiduelles, qu'on a peut-être atteint une certaine maturité, si je puis dire, au cours des 25 dernières années. Donc, ça serait ça pour moi l'événement le plus marquant des dernières années. Parfait, merci. Effectivement, c'était un plan qui était assez inattendu. On était bien contents de le voir arriver. Hein. Amélie, est-ce que tu veux nous parler de la démarche ou du projet de l'événement le plus marquant des 25 dernières années? Bien, j'ai peut-être un peu triché dans ma réponse, mais quand je réfléchissais à ça, je me suis arrêtée sur le fait qu'il y a eu une multiplication des consultations publiques en lien avec les initiatives de réduction à la source et une hausse aussi de la participation citoyenne que je trouve qui est importante et pertinente à souligner. Ça a commencé en 2015, il y a eu une consultation sur le bannissement des sacs en plastique, 29 mémoires ont été déposées, ça a mené en 2018 à l'adoption de la réglementation qui a ensuite inspiré la CMM, qui a été bonifiée aussi en 2020 pour bannir l'ensemble des sacs de plastique, peu importe leur épaisseur aussi, donc pour corriger un petit peu l'écueil qui a eu lieu en fait en imposant une épaisseur maximum de plastique pour les sacs, donc qui avait mené à ce moment-là les producteurs à faire des sacs un peu plus épais, qui avaient le même usage que les sacs d'emplettes un peu plus légers, donc avec une empreinte environnementale qui est supérieure étant donné que ça prend davantage de matériaux pour les produire. Donc, un ajustement au niveau de cette réglementation-là. On a eu également la consultation sur les publisacs à l'initiative de Charles Montpetit, donc un citoyen qui a vraiment travaillé d'arrache-pied sur ce dossier-là. Récemment, sur le gaspillage alimentaire, qui est un mandat d'initiative citoyenne également, donc plus de 15 000 personnes qui ont signé pour qu'il y ait une consultation sur ce sujet-là. 36 mémoires déposées, donc bien hâte aussi de savoir quelles seront les suites de cette consultation-là. Et puis, on s'attend au courant des prochains mois à ce qu'il y ait une consultation sur le bannissement des articles à usage unique de plastique visant à proposer un cadre réglementaire. Donc, c'est vraiment beaucoup de consultations en quelques années. Puis, je pense que ça positionne, en fait, Montréal sur des enjeux de réduction à la source qui interpellent plusieurs municipalités, plusieurs citoyens, citoyennes aussi. Donc, ça amène vers l'avant. Puis, peut-être, qui sait que ça inspirera aussi une réglementation provinciale, parce qu'en ce moment, ça se fait à l'échelle des municipalités. Il y a une réflexion qui se fait aussi au fédéral avec la stratégie zéro plastique. Mais donc, c'est un certain leadership du côté de Montréal sur les initiatives
initiatives de réduction à la source et la participation citoyenne qui est vraiment incontournable. Puis je pense qu'il agit aussi un peu comme une locomotive dans ces changements-là. Merci beaucoup. Très intéressant, en effet, cette perspective de consultation citoyenne et de la société civile aussi. Madame Langlois-Blouin, est-ce que vous voulez nous parler, vous, de la démarche ou du projet, l'événement le plus marquant, puis ce qu'on peut être fier, donc, dans ces dernières 25 dernières années? Bien, pour compléter, parce que les Karel et Amélie apportent des très bons points aussi. J'aurais le goût de vous dire, de la perspective de Recycle Québec, là, nous, on offre des programmes d'aide financière, on soutient, on accompagne les municipalités, les entreprises à travers le Québec. Puis on voit beaucoup d'innovation dans la région montréalaise. Je pense que c'est une réflexion, une démarche. C'est pas un événement précis, mais quand même, il y a des beaux projets qui sont initiés puis portés par des organisations situées sur le territoire montréalais. Notamment, j'en parlais, là, la transition vers l'économie circulaire. Il y a Synergie Montréal, PME, Est de Lille. On est beaucoup dans l'accompagnement des entreprises puis leur démontrer comment eux aussi peuvent contribuer à réduire leur génération, réduire l'élimination également. Il y a quand même une mise en commun. Il y a des projets aussi très concrets qui permettent, par exemple, de réduire le gaspillage alimentaire. J'ai l'exemple des jus Loop qui sont rendus Loop Mission parce qu'ils ont développé plein d'autres innovations ou projets qui visent à réduire le gaspillage. Je pense que cette synergie-là des acteurs Montréal l'avantage, il y a une multitude d'acteurs sur le territoire. De plus en plus, on voit de la concertation qui favorise l'innovation puis des projets porteurs. Donc, c'est ce foisonnement-là d'idées que moi, je vois comme très porteur là, sur le territoire montréalais, qui n'empêche, qui n'enlève rien aux autres régions, mais parce qu'il y a des super beaux projets dans les autres régions également. Excellent, merci. Je crois qu'Amélie veut compléter, donner plus d'informations. Oui, bien, en fait, à la lumière de ce que mentionne Sophie, je pense que c'est important de souligner qu'on a vraiment un écosystème entrepreneurial qui est super innovant, qui amène des beaux projets. J'ai encore parlé d'une initiative qui provient, qui a été développée au début en collaboration avec un éco-quartier, mais le projet La Tasse qui a mené, donc, qui est un gobelet réutilisable qui veut remplacer les gobelets jetables de café, qui provient de l'initiative de certains restaurateurs, propriétaires de cafés qui ont collaboré avec l'éco-quartier, qui ont réussi à développer une initiative qui s'est finalement déployée vraiment à travers le Québec. Il y a tout un écosystème aussi de lutte au gaspillage alimentaire. Donc, sur la page du Régal, on voit vraiment toutes les initiatives, plein d'entreprises, d'organisations qui sont actives là-dessus. D'ailleurs, c'est un réseau qui s'est mobilisé pour demander la consultation publique sur le gaspillage alimentaire, mais c'est vraiment un regroupement de projets super inspirant, pertinent sur ces enjeux-là. Donc, je trouvais que c'était important de souligner le travail puis l'innovation qui est faite de la part des citoyens, citoyennes, des entrepreneurs aussi qui mènent de l'avant, qui développent vraiment des projets qui sont super pertinents et dans l'air du temps pour favoriser la réduction à la source. Excellent. Amélie, tu peux laisser ton micro ouvert, mais à la lumière de tout ce que vous avez dit depuis tout à l'heure, je me doute un peu de vos réponses pour la question 3, mais j'ai bien hâte de vous entendre. Mais parmi les 3 RV, donc ce qu'on entend par 3 RV, c'est réduction, réemploi, recyclage et valorisation, quel est le volet qui a le plus de retard ou de déficience dans les 25 dernières années? Est-ce que tu veux commencer, Amélie? Alors, malgré le fait qu'il y a beaucoup d'initiatives, donc j'imagine que tu t'en doutais, pour moi, il n'y en a pas nécessairement encore suffisamment en termes de réduction à la source et de réemploi. Souvent, ça va être quand même les maillons faibles de la gestion des matières résiduelles parce qu'on met beaucoup d'emphase sur le recyclage, sur justement les derniers R de la hiérarchie des 3 RVE, donc réduction, réemploi, recyclage et valorisation. Donc, il y a beaucoup d'initiatives citoyennes et entrepreneuriales, mais selon moi, pas encore assez d'initiatives
structurante à l'échelle de l'agglomération, sachant aussi qu'on est dans un contexte, comme Carole le mentionnait, que la problématique et l'enjeu, c'est que ce n'est pas viable de continuer à consommer comme on le fait actuellement. Et malgré tous les efforts qui sont déployés, la génération de déchets demeure très importante, tant peu à diminuer à l'échelle du Québec et de Montréal également. Puis on sait que la réduction de la consommation, c'est une mesure phare pour atteindre nos objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre aussi. Donc, je vais vous référer à un rapport qui a été diffusé par C40 Cities, qui est un regroupement de municipalités à travers le monde, où on évalue que les émissions liées à la consommation doivent diminuer du 2/3 d'ici 10 ans dans les métropoles comme Montréal pour atteindre les cibles de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, on va parler autant de la construction, de l'entretien des infrastructures, du transport, de la consommation de vêtements, d'appareils électroniques, électroménagers, de l'alimentation et de l'aviation. Donc, il y a encore énormément à faire pour changer finalement nos modes de production et de consommation. Puis si je peux prendre des exemples concrets au niveau de la réduction à la source du réemploi, par exemple au niveau des éco-centres, le volet réemploi a complètement disparu des activités alors que plusieurs municipalités sont en train de le développer. D'ailleurs, je pense qu'il y a peut-être une collègue qui est présente à la conférence qui le développe dans les dans les Laurentides, tout le volet réemploi. Ensuite, on a besoin aussi d'une communication qui est coordonnée et concertée, ciblant par exemple particulièrement les périodes de forte génération d'encombrants et d'objets de tout genre qui pourraient être réemployés dont la vie est écourtée vraiment malheureusement trop tôt. Donc, par exemple, il y a près de 50 000 tonnes d'objets de tout genre qui sont ramassés en bordure de rue dans la région de Montréal pendant la période des déménagements. Puis, on a encore besoin de soutien dans le développement et la mise en œuvre d'alternatives à l'usage unique en amont de la mise en œuvre de la réglementation qui est prévue à Montréal. Donc, pour moi, maintenant, c'est le moment de développer des alternatives à l'usage unique avant qu'il y ait une réglementation qui force les commerces qui sont déjà dans une situation assez difficile, particulièrement depuis le début de la pandémie, donc de proposer des solutions. Ça donnerait quelques exemples à ce niveau-là. Merci beaucoup, Amélie. Est-ce que, Carole, tu veux nous parler de celui qui aurait pris le volet qui a pris le plus de retard ou de déficience dans les développements? Oui, je vais en fait parler de tous ces volets-là, si tu me le permets, Ève, mais assez brièvement, parce qu'il y en a qui ont des retards, d'autres des déficiences. Au niveau des déficiences, je dirais le recyclage, parce que ça a été dit, le recyclage est le geste le plus concret pour les citoyens qui sont bac de recyclage. Moi, je dis toujours, ça fait 25 ans que je suis en environnement, je n'ai pas de bac de recyclage à la maison et je ne recycle rien depuis 25 ans, même en tant que citoyen, je ne recycle rien. Moi, je récupère. Et c'est un peu ça la notion que j'essaie de casser, parce que c'est bien de recycler, mais c'est encore mieux de réduire à la source. Parce que le recyclage, en fait, c'est simplement une action de récupérer, comme on le fait en tant que citoyen, c'est une action de récupérer des matières recyclables qui sont collectées à chaque semaine ou à toutes les deux semaines et ensuite acheminées à un centre de tri qui fait juste démêler ce qu'on a mis pêle-mêle dans un bac de récupération. Et ensuite, les centres de tri vendent la matière aux plus offrants quand ils peuvent la vendre, effectivement. Parce qu'au Québec, on a beaucoup misé sur les quantités. On a beaucoup développé la récupération, mais peut-être au détriment du recyclage, justement, ou de la qualité des matières recyclées. Donc, on a peut-être omis de développer des entreprises qui recycleraient, donc qui transformeraient la matière au Québec. Et on a beaucoup misé sur l'exportation des matières recyclables, notamment dans les années 2000, ce qui a donné lieu à la première crise du recyclage, suite à une crise financière. Et tout dernièrement, depuis que la Chine a resserré ses critères de qualité au niveau des matières recyclables, ça a mené à une deuxième crise qu'on a appelée une crise de recyclage. Donc, à ce niveau-là, au niveau du recyclage, on a beaucoup de choses à améliorer. C'est pour ça que je dis qu'il y a des déficiences, mais bon, je crois qu'on a quand même saisi le problème et avec ce qui s'en vient, comme Sophie l'a dit, la responsabilité élargie des producteurs au niveau de la collecte sélective municipale, au niveau de l'élargissement de la consigne, bon, c'est quand même des très bonnes actions pour éventuellement s'en sortir. Je crois qu'on a compris qu'il y avait un problème et qu'on est en train de le résoudre. Au niveau de la valorisation, toujours au niveau des déficiences, c'est que la valorisation, pour moi, on devrait la définir parce que c'est une espèce d'amalgame de beaucoup de choses
qu'on a du mal à saisir, valorisation énergétique, valorisation matière, recyclage et de la valorisation. Donc, la loi, des fois, la valorisation est un tout et aussi, en même temps, fait partie, et juste une partie de ce tout-là. Donc, ça serait bien de démêler tout ça. Et d'ailleurs, ça a été, je pense, la première action du premier plan d'action de la politique québécoise de gestion des matières résiduelles 2011-2015. La première action, justement, voulait clarifier ce que c'était que la valorisation. Et aujourd'hui, on en parle énormément de la valorisation. Il y a des projets de valorisation qui s'en viennent. Là, on a annoncé Enerkem au mois de décembre dernier, une usine de gasification à Varennes. Je suis sûr qu'il n'y a pas un citoyen sur 10 au Québec qui sait ce que c'est que la valorisation ou de la gasification. Et c'est une usine quand même qui va pouvoir traiter 200 000 tonnes. Donc, ce n'est pas rien et il n'y a pas de réglementation, il n'y a pas d'encadrement. Donc, ça, c'est vraiment une déficience. Avant de se lancer à tête perdue là-dedans ou à corps perdu, ça serait bien de le définir. Je veux pas jeter le bébé avec l'eau du bain, je veux simplement s'assurer qu'on lave le bon bébé avec de l'eau propre, là, c'est tout. Autrement, au niveau des retards, c'est en fait au niveau de la réduction naturellement, comme Amélie l'a mentionné, mais aussi au niveau du réemploi. Donc, on en parle, on a toujours des bons exemples, mais souvent, ce sont les mêmes exemples qui reviennent. Ça serait bien qu'on ait une multitude d'exemples à parler au niveau de la réduction à la source et au niveau du réemploi. Je pense que ce sont peut-être les actions dans les trois R les plus prioritaires et pour lesquelles on a moins mis l'emphase au cours des dernières années. J'espère que ça va changer parce que si vraiment on veut en venir éventuellement au zéro enfouissement ou tendre vers ça, ben on n'a pas le choix. Il faudrait passer prioritairement par la réduction à la source et le réemploi. Et ça demande là, vraiment une repenser toutes nos façons de consommer et surtout de produire les biens de consommation. Donc, je vais arrêter là-dessus parce que je pourrais en dire longtemps, mais ça demande des changements majeurs dans notre société, dans nos façons de faire. J'avais une petite question complémentaire, étant donné que tu avais ouvert la porte sur la valorisation, mais est-ce que ce serait possible de parler un peu plus des impacts, des retards que ça peut avoir en fait sur tout ce qui est les retards des infrastructures en matière organique sur l'île de Montréal? Est-ce que c'est possible un peu de parler des impacts que ça a sur l'environnement ou de façon générale? Le retard des usines de... En fait, ce que ça fait, c'est que les matières organiques, si on veut, c'est peut-être la matière la plus contaminante dans un lieu d'enfouissement technique parce que c'est principalement de l'eau. Donc, on transporte de l'eau parce qu'on ne gère pas nécessairement la matière organique sur le territoire de l'île de Montréal. On la gère à l'extérieur. Donc, on transporte de l'eau souvent sur des centaines de kilomètres. Comme les matières organiques contiennent beaucoup d'eau, comme j'ai dit, production de lixivia, donc une espèce de la soupe toxique qui est produite dans les sites d'enfouissement et qui s'écoule dans les bassins et éventuellement se retrouve dans l'environnement, dans les rivières, dans le réseau hydrographique de surface ou dans les stations d'épuration. On a parlé dernièrement d'un site aux États-Unis qui contaminait le lac Memphremagog, mais il y en a plusieurs au Québec aussi, des histoires comme ça. Aussi, les matières organiques produisent du biogaz, donc gaz à effet de serre très puissant, là, comme tout le monde le sait. Donc, c'est du biogaz, du méthane. Donc, c'est excessivement important de rapidement détourner les matières organiques de l'élimination, soit par des procédés de compostage, lorsque c'est possible, et techniquement faisable. Moi, je privilégie le compostage, notamment le compostage domestique. Si on pouvait le faire à la maison, tous et chacun, ça serait merveilleux. Ensuite, le compostage centralisé ou municipal. Dans des centres urbains comme Montréal, effectivement, la biométhanisation, donc une espèce de dégradation sans oxygène, anaérobie de la matière organique, peut être envisagée, mais ça prend des paramètres et ce n'est pas si simple que ça, la biométhanisation. On l'a vu avec les sites comme Kakuna, Saint-Hyacinthe et même Varennes. Donc, chaque site est particulier. Chaque installation doit avoir sa recette et on est encore en développement dans la plupart des usines de biométhanisation. Mais à Montréal, c'est sûr que ça devrait être la priorité de détourner les matières organiques le plus rapidement possible. J'espère que j'ai bien répondu, Eve. Oui, merci, c'est bien. Je vais continuer dans la question plus générale de la question 3 en passant la parole à Mme Langlois-Blouin, s'il vous plaît, parler. Merci, puis j'ai l'occasion de en passant en dernière, de faire du pouce sur les éléments mentionnés par Karel puis Amélie. Quand on parle de recyclage, là, Karel parlait des enjeux liés, notamment depuis fin 2017 avec la crise des matières recyclables où les marchés d'exportation se sont refermés.
Il y a plusieurs choses qui ont été mises en place. La modernisation de la collecte sélective, c'est une action, mais il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place déjà puis qui portent déjà fruit. Donc, quand on parle de développer les débouchés locaux, je dois vous dire, nous, on a été très actifs pour mettre en place des programmes d'aide financière puis soutenir des projets. Puis, il y a des projets concrets qui se réalisent actuellement dans ce sens-là. Donc, je pense qu'on l'a vu avec le bilan 2018 quand on comparait avec le 2015. La tendance est un petit peu renversée, là, où il y avait plus de matières qui étaient traitées localement. Mais très d'accord pour dire qu'il faut continuer le travail dans ce sens-là au niveau de gérer localement nos matières, mais aussi de bénéficier, comme je disais plus tôt, des retombées économiques de ça. Donc, économiques et sociales, il y a de l'emploi, ça crée quand même des opportunités pour la région montréalaise ou toutes les régions. Karel et Amélie ont parlé de réduction à la source, je suis d'accord avec eux, je l'ai mentionné. Au niveau du réemploi, je pense qu'il y a un volet très précis aussi pour lequel nous, on est actifs Recycle Québec, puis on souhaite accentuer davantage. C'est tout le volet prolonger la durée de vie des produits, la réparation des produits aussi. Vous êtes très chanceux dans la région montréalaise, il y a des cliniques de réparation, Incertec est actif, il y a d'autres entreprises. Notre objectif, c'est de systématiser ça un petit peu plus dans toutes les régions, d'avoir accès à des services. Puis, vous le savez peut-être, puis je me souviens d'Amélie qui cherchait à faire réparer son grille-pain à un moment donné, puis qui avait fait un chemin de croix. Je ne sais pas si c'était Compostelle, mais c'est pas facile non plus toujours de trouver des services de réparation, mais aussi des pièces de rechange. Je pense qu'il y a un gros volet là où il faut systématiser, puis aussi revoir la conception des produits. Puis on parlait beaucoup de réduction, réemploi. Sachez qu'il y a des choses qui sont en cours de notre côté. Il y a des projets qui ont été acceptés, notamment pour la réduction des plastiques et des produits à usage unique, 10 projets, dont certains sur le territoire montréalais. Notre but, c'est d'en faire des cas à succès et de les diffuser pour inciter à l'action. Et il y a déjà des suites au niveau du soutien financier offerts par Recycle Québec qui sont en préparation. Un, pour encore une fois favoriser la réduction donc des produits jetables, mais aussi d'aller vers le vrac, d'aller vers les produits réutilisables, mais aussi pour favoriser l'éco-conception et, par exemple, l'intégration de contenus recyclés dans des produits. Donc, ça, c'est à suivre. Sinon, le bout où moi, je vois une opportunité d'amélioration sur l'ensemble de la chaîne, c'est la traçabilité puis la reddition de comptes. Puis vous allez me dire, c'est drôle de la part de Recycle Québec de dire ça, mais non, parce que je vous dirais, même nous, ça nous prend davantage de leviers pour avoir un portrait clair, parce qu'on fournit, par exemple, au BAP sur l'élimination, on a présenté des données récentes de qu'est-ce qui est éliminé en 2019. Mais ces données-là sont très précieuses parce qu'elles nous permettent de cibler c'est quoi les priorités d'intervention. Actuellement, on réalise, Recycle Québec, des bilans sur la base d'enquêtes volontaires. Donc, on n'a pas le levier pour obliger les gens à répondre. Puis, il y a une limite aussi jusqu'où on peut obtenir l'information, notamment parce qu'il y a des échanges de matière, il y a des gens qui considèrent l'information comme confidentielle. Donc, pour moi, c'est très important aussi que Recycle Québec ait davantage de leviers puis qu'il y ait une traçabilité qui soit installée au Québec pour nous permettre d'avoir l'information, d'avoir un portrait juste aussi, puis de savoir où on peut mieux intervenir en amont, mais aussi pour régler des problématiques particulières. Merci beaucoup. On a une question très intéressante dans le chat. On va y revenir pendant la période de questions. Pour la question numéro 4, on voulait connaître, en fait, donc on en a déjà parlé un peu. Vous l'avez nommé dans les moments charnières, mais maintenant, on veut savoir, est-ce que le plan donc de l'agglomération Montréal qui vise le zéro déchet d'ici 2030 est-il réaliste? Et quelles seraient les clés du succès pour y arriver? Acteurs, infrastructures, instances, etc. Donc, je vais laisser la parole à Amélie. Merci, Eve.
Bon, d'abord, si on prend les informations disponibles dans le portrait de la gestion des matières résiduelles de l'agglomération de Montréal, le constat, c'est qu'en 2018, le taux de récupération des matières recyclables et compostables était de 47 %. Donc, 47 %, ça veut dire que l'autre 53 % est envoyé à l'élimination. Donc, l'objectif zéro déchet, pour expliquer ce en quoi il consiste, parce que c'est jamais un zéro zéro déchet, évidemment, il y aura toujours des résidus ultimes, mais c'est d'atteindre un taux de récupération des matières recyclables et organiques de 70 %. Et ça, c'est en 2025. Puis en 2030, de réduire d'au moins 50 % la quantité de déchets municipaux enfouis par rapport à 2015. Donc, pour atteindre 256 kilos par personne en 2025 et 114 en 2030. Par contre, je pense que c'est important ici de noter qu'on parle uniquement du résidentiel, donc le volet industrie, commerce et institutions qui, selon justement les données présentées dans le cadre du Bureau d'audience publique pour l'environnement qui a lieu en ce moment, le volet ici, ça représente le tiers des déchets qui sont éliminés au Québec. Donc, pour moi, ça, c'est un élément important pour atteindre réellement le zéro déchet, de tenir compte de la génération des ICI, de proposer des mesures concrètes pour les accompagner dans les changements qui doivent absolument être mis en place. Évidemment, il y a des actions qui sont prévues au PDGMR à ce sujet-là, mais pour moi, c'est encore un peu timide et on devrait y aller aussi rapidement à ce niveau-là. Mais évidemment, bon, il y a d'autres problématiques, étant donné qu'on attend d'avoir les capacités suffisantes pour la gestion des matières organiques avec les sites qui seront construits par la suite. Pour moi, une des clés de succès, c'est d'être en mesure de quantifier le potentiel de réduction à la source et du réemploi des actions pour atteindre les objectifs ambitieux que se sont fixés l'agglomération. Par exemple, si on prend les résidus de construction, rénovation et démolition qui transigent par les écocentres, quelle proportion pourrait être, sont des objets qui sont encore fonctionnels et dont la durée de vie pourrait être prolongée. Donc, comment est-ce qu'on pourrait réduire ça puis le retirer de l'élimination? La même chose par rapport aux matières recyclables qui sont récupérées et envoyées pour être recyclées ou à l'élimination. Quelle proportion pourrait être évitée pour réduire en réduisant le suremballage, l'usage unique? Donc, comment les mesures de réduction à la source qui vont être mises en place vont permettre d'atteindre les objectifs ambitieux qu'on s'est fixés. C'est la même chose aussi pour le gaspillage alimentaire, parce qu'il y a un risque avec les besoins des infrastructures de traitement qui vont être construites, qu'on veuille un peu nourrir la bête, dans le sens où ce sont quand même des grosses usines qui vont avoir des grandes capacités. Mais l'emphase doit tout de même en priorité être mise sur la réduction du gaspillage alimentaire et pas seulement en passant par des dons, comme en ce moment, on considère les dons alimentaires comme étant des mesures de réduction du gaspillage, mais en fait, à la source, il ne devrait pas y avoir de pertes aussi importantes de la part des épiceries. Donc, faut changer aussi la manière de gérer les aliments à ce niveau-là. Puis, on a besoin, je pense aussi, de connaître ce que ça représente réellement les résidus ultimes. C'est une réflexion qui est en cours. D'ailleurs, on en a discuté hier soir là, dans la séance du BAP avec Recyc Québec. Donc, on va connaître un peu plus... On va avoir un portrait réel de, parmi toutes les matières qui sont envoyées à l'élimination, qu'est-ce qui est réellement pas valorisable autrement que traitable par élimination ou incinération. Et pour moi, c'est réaliste d'atteindre ces objectifs-là si, d'une part, on met les efforts et le financement nécessaires, notamment en information, sensibilisation et éducation, parce qu'on dit des fois aussi que les trois R, c'est répéter, 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 mais c'est vrai, il faut faire la sensibilisation à plusieurs reprises. Il y a beaucoup de questions par rapport à la gestion des matières recyclables, des matières organiques aussi, donc on ne peut pas juste déposer un bac à la maison, devant une maison, puis s'attendre à ce que la participation soit optimale. Donc, les patrouilles vertes ont vraiment un rôle incontournable à ce niveau-là.
aussi adopter de la réglementation qui est contraignante, mettre en place des mesures d'écofiscalité, mais aussi, par exemple, la voie de la réduction de la fréquence des collectes est intéressante, qui est envisagée, qui donne des bons résultats. La ville de Drummondville a pu le démontrer en comparant un scénario de tarification incitative, donc un scénario d'utilisateur-payeur avec un scénario de réduction de la fréquence de collecte des déchets. Et les deux ont obtenu des bons résultats, mais la réduction de la fréquence, c'est peut-être plus applicable aussi au territoire montréalais où le cadre bâti est vraiment différent aussi. Donc, dans un immeuble avec plusieurs logements, c'est plus difficile de pouvoir associer un bac d'une poubelle, par exemple, à un citoyen ou une citoyenne ou à une adresse. Puis, il faut aussi soutenir et développer les initiatives de réduction à la source et de réemploi, puis les mettre à l'échelle. Donc, comme le disait Karel, on prend souvent le même bon exemple, mais après, il faut que ce soit systématisé, puis il ne faut pas juste compter sur les initiatives citoyennes bénévoles pour prendre cette place-là. Évidemment, il y a plusieurs entreprises aussi qui prennent qui prennent ce virement-là. On pense souvent à Incertec, notamment pour le réemploi puis la réparation dans l'informatique, mais c'est une ressource dont on parle à Montréal. L'agglomération, c'est très grand. Il faudrait qu'il y en ait dans tous les arrondissements. Donc, pour moi, c'est vraiment de financer et de s'assurer d'avoir des contraintes réglementaires. Merci beaucoup, Amélie. Effectivement, les commerces de proximité, on en parle sur différents, donc des commerces de réparabilité ou en tout cas toute cette accessibilité-là, plus d'avoir ça à proximité pour ne pas être obligé de se déplacer d'un bout à l'autre de l'île vient aussi jouer là-dedans. Donc, excellent. Est-ce que Karel, tu veux bien compléter ou donner d'autres éléments pour en propos du plan zéro déchet d'ici 2020? Oui, ben si je suis capable d'ajouter quelque chose. En fait, Amélie, je ne connaissais pas répéter. Donc, si tu permets, je pense que je vais te le voler. Je la trouve bonne. C'est Guylaine Tremblay de l'Université Laval qui m'a informée de cette devise. Oui, bien, il y a quelqu'un aussi qui a déjà dit que... Ils ne savaient pas que c'était impossible, donc ils l'ont fait. Cette personne-là, c'est Mark Twain. Donc, en parlant de l'objectif zéro déchet, ça peut faire peur à du monde comme quoi c'est un vœu pieux. Mais en fait, on doit tendre vers le zéro déchet. On dit aussi souvent, et pour y arriver, je pense qu'il y a quelque chose de fondamental qu'il faut comprendre, en tout cas selon moi, c'est qu'on dit souvent que la gestion des déchets, en fait, l'élimination des déchets relève d'un service d'utilité publique. Ça nous est souvent ressorti pour dire on n'a pas le choix d'agrandir un site d'enfouissement parce qu'il faut les mettre quelque part, c'est une question de salubrité, et ainsi de suite. Je suis entièrement d'accord avec ça. Sauf que les opérations d'élimination ne sont pas faites dans une optique de service public ou d'utilité publique. Elles sont faites dans une optique commerciale strictement autour de la grande région de Montréal pour l'ensemble ou la grande majorité des déchets au Québec. Et je pense que c'est là où il y a un problème, c'est-à-dire tant et aussi longtemps qu'on va être dépendant justement des infrastructures d'élimination qui appartiennent à des multinationales, et là, je ne fais pas un débat capitaliste ou quoi que ce soit, là, mais c'est un fait. Tant qu'on va être dépendant de ces grosses infrastructures-là qui appartiennent à des multinationales américaines pour la majorité au Québec, on n'y arrivera jamais parce que leur objectif, c'est d'enfouir encore et toujours plus. Et là, on vit apparemment une crise de l'élimination, mais c'est la même chose à tous les 5 ou 10 ans parce qu'il y a des attentes, il y a des projets en attente et tout. Donc, si on prend un polaroid de la situation aujourd'hui, oui, on a un problème, mais les projets en attente vont être autorisés ou les projets vont être agrandis. Donc, c'est récurrent et c'est une façon pour les compagnies de mettre de la pression et on n'en sort jamais. Donc, c'est toujours un cycle qui revient périodiquement au niveau de l'élimination. Donc, je pense que si vraiment on veut être maître chez nous, ça, c'est pas moi qui le dis non plus, si on veut être maître chez nous au niveau de la gestion des déchets, au niveau de l'élimination, bien, il faut les prendre en charge de A à Z, incluant l'élimination. Donc, c'est nécessaire, selon nous, que la grande région de Montréal, mais également la CMM et les autres régions au Québec se dotent d'infrastructures d'élimination pour leurs matières résiduelles, notamment des lieux d'enfouissement technique, pour faire un enfouissement sélectif et sécuritaire. C'est très possible à Montréal et dans les autres secteurs de la CMM de faire ça et d'avoir des sites de propriété publique. On va toujours malheureusement devoir enfouir ce qu'on appelle le résidu ultime. Il y a des matières qu'on ne pourra pas ni valoriser ni recycler parce que c'est impossible de le faire pour différentes raisons technologiques, économiques, bon, et ainsi de suite.
Donc, il va falloir les mettre quelque part. Et ce déchet ultime-là, bien, il faudrait le mettre dans des sites de propriété publique afin de se responsabiliser collectivement et de faire attention à ce qu'on met dedans. Et ça va nous inciter à faire toutes les mesures de détournement en amont, dont premièrement la réduction à la source, la réutilisation, le recyclage. Donc, je répète ces trois R-là parce que c'est essentiel. Il ne faut pas voir la gestion des déchets comme étant simplement un sac de poubelle qu'on ramasse qui disparaît de nos yeux. C'est-à-dire, ça prend quand même des actions de tout le monde. On est tous responsables. C'est une responsabilité partagée. Au niveau des producteurs, au niveau des municipalités, au niveau des citoyens, au niveau des ICI, on n'en parle pas assez, Amélie vient d'en parler. Les ICI aussi sont responsables pour une grande part de la production et de l'élimination des déchets au Québec. Et malheureusement, ils échappent toujours au plan de gestion des matières résiduelles parce qu'on n'a pas nécessairement les outils pour les intégrer, pour les obliger, si on veut, à se conformer là, aux objectifs de recyclage là, du gouvernement. Donc, oui, c'est réaliste, si on veut, de vouloir tendre vers le zéro déchet d'ici 2030. Ça dépend des efforts qu'on met dedans. Il ne faut pas voir aussi... Hier, on a parlé au BAP encore, on était tous au BAP. On n'a pas le choix d'aller enfouir à bas coûts parce que si on augmente les coûts, on va avoir des problèmes de contamination, de dépôts sauvages à gauche et à droite et ça va être une contrainte pour des municipalités. Mais il faut voir aussi les coûts évités lorsqu'on détourne des matières d'élimination et les économies qu'on fait au niveau des ressources qu'on ne gaspille pas, qu'on ne jette pas. Sophie a parlé d'une société sans gaspillage. Pour moi, lorsqu'on jette du papier, du carton, du plastique, du métal dans un dépotoir, c'est du gaspillage. Donc, il faut vraiment éviter ça et prendre vraiment les mesures pour éviter ça. On vit dans une société d'abondance, mais ça ne durera pas tout le temps. Donc, il faut maintenant, lorsqu'on est en mesure de le faire et lorsqu'on est justement dans une période charnière comme on est actuellement, c'est maintenant qu'il faut prendre ce genre d'action-là. Peut-être que ça va faire mal, mais il faut vraiment donner un coup de barre pour que justement nos enfants, nos petits-enfants bien, nous disent « Ah, ils ont fait la bonne affaire il y a 50, il y a 60 ans, puis on les remercie. » Parce qu'actuellement, là, je ne suis pas très optimiste pour l'avenir si on ne fait rien maintenant. On a l'occasion de le faire encore. Ce n'est pas irréversible et oui, c'est possible. Merci beaucoup. Est-ce que Mme Langlois-Blouin, vous voulez compléter? Bien oui, assurément. Puis peut-être faire du pouce que ce que Karel a dit, qu'il a parlé de responsabilisation. Puis quand j'ai lu la question, le mot qui m'est venu en tête, c'est collaboration. Pour moi, c'est fondamental. Amélie a parlé de concertation, de consultation aussi des différentes parties prenantes. Pour moi, là, on est tous mieux de travailler ensemble à trouver des solutions que de rester chacun de notre côté à rester dans les enjeux, dans les défis, dans les problèmes. Puis je pense qu'on le voit de plus en plus. En tout cas, nous, ça fait partie de comment on veut travailler avec les entreprises, les municipalités aussi. Pas plus tard que mardi matin, Fondaction a annoncé un premier fonds canadien en économie circulaire avec comme partenaire Recycle Québec et la Ville de Montréal en appui, en expertise, en aide financière dans le démarrage, puis du post-démarrage d'entreprise, puis aussi en accompagnement aussi de ces entreprises-là sur le terrain. Je pense qu'on est rendu là à mettre nos efforts ensemble, nos ressources ensemble pour aller beaucoup plus loin et beaucoup plus vite tous ensemble. Et avec la collaboration vient aussi l'importance d'avoir, deux choses, l'écoute. Un, parce que ça a l'air de base, qu'est-ce que je dis, là, mais c'est important parce que des fois, on va se dire, quelqu'un à gauche va se dire « Ah, ben moi, je vais faire une réglementation pour ça. » Mais sur la réalité terrain, il manque des maillons pour que ça soit un succès. Puis la réduction du gaspillage alimentaire est un bon exemple. Je pense que tout le monde est pour réduire le gaspillage alimentaire, mais du jour au lendemain, si on applique une réglementation et qu'il n'y a pas de réseau structuré et cohérent et prévisible pour tous ceux qui ont des denrées à donner, on va se retrouver avec une problématique. Donc, il faut que chacun des maillons soit en place pour que le tout soit un succès. Donc, je disais l'écoute parce que pour moi, puis les exercices de consultation publique, comme le fait la Ville ou la CMM actuellement, comme le fait le BAP aussi, servent à ça, à entendre différents points de vue, les enjeux, les réalités de tout le monde, puis de trouver
c'est quoi le chemin commun, c'est quoi la voie de passage commune qui va nous permettre d'avancer plus vite et plus loin tous ensemble. Mise en place de solutions variées aussi, je le dis souvent, les solutions uniques existent rarement. Puis les solutions miracles, encore plus. Fait que je pense qu'il faut varier les formes d'intervention. Puis c'est pour ça que la collaboration est intéressante, parce qu'à différents niveaux, on a des leviers, puis on peut les utiliser. Puis on a parlé, Karel et Amélie ont parlé du secteur des entreprises, les ICI, très vrai aussi. J'ai le goût de parler aussi du secteur de la construction, rénovation, démolition, qui est quand même assez important. On sait, dans la région de Montréal aussi, il y a de nombreux grands chantiers ailleurs aussi. Mais je pense que c'est important de travailler aussi sur la réduction à la source dans ce secteur-là, mais aussi le réemploi. Dans la réduction à la source, l'éco-gestion de chantier, le changement d'usage de bâtiments, il y a plein de beaux exemples qui existent, qui peuvent nous inspirer pour la suite. Comment on utilise notre patrimoine bâti, puis on le fait évoluer pour répondre aux besoins qui changent. Il y a beaucoup d'opportunités là aussi, et de besoins. Donc, d'être à l'écoute de ces besoins-là, puis de travailler ensemble, à mon avis, va être un facteur de succès pour atteindre des objectifs zéro déchet pour l'agglomération, mais aussi pour la province. Merci beaucoup. Je vais vous garder, Madame Langlois-Blouin, pour vous poser la cinquième question et commencer par vous. Comment la gestion des matières résiduelles permettra-t-elle d'affirmer qu'on vit dans une métropole verte et résiliente? Et aussi, avez-vous un souhait particulier pour le futur? Juste m'excuse, le temps de démuter. Je vais reprendre, puis on en parlait parce qu'on était les trois au BAP hier, puis Karel a posé une question, puis je vais la reprendre. Pour moi, mon souhait, c'est que qu'on arrête de voir les matières résiduelles comme des déchets, mais qu'on ne les voit pas non plus comme des ressources renouvelables. Donc, pour répondre à la question de Karel, je pense que la gestion des matières résiduelles, ça a été longtemps perçu comme un service. Je veux me débarrasser de mes matières, puis ne plus les voir. Mais clairement, puis là, on le voit, c'est un secteur économique, la gestion des matières résiduelles, qui emploie beaucoup de personnes. Il y a des entreprises, il y a des entreprises privées, il y a des organismes municipaux, il y a des entreprises d'économie sociale, il y en a qui engagent des gens avec des limitations fonctionnelles. On a vraiment la chance au Québec. Puis, pour parler avec des collègues à l'extérieur du Québec, par exemple, dans d'autres provinces canadiennes, on n'a pas nécessairement cette variété d'acteurs-là partout. Fait que c'est une richesse pour moi collective sur laquelle on devrait bâtir. C'est vraiment, je pense qu'il faut bâtir sur qu'est-ce qui fonctionne, collaborer, être en mode solution, puis voir comme la gestion des matières résiduelles comme un moteur de développement économique, social, et qui contribue et qui peut contribuer encore davantage à la réduction des émissions de GES. Donc, pour moi, ce n'est pas deux choses séparées, la lutte au changement climatique et la gestion des matières résiduelles. C'est un tout qui contribue. Donc, c'est pas mal ça mon souhait pour les prochaines années, je pense, de bâtir sur qu'est-ce qui existe, puis de travailler tous ensemble pour aller encore plus loin. Merci beaucoup. Pour les deux autres, je vais vous poser la même question en commençant par Karel, mais je vais vous demander de faire ça pour avoir le temps de prendre les questions du public. Donc, une petite minute sur ce sujet. En fait, on va pouvoir dire qu'on vit dans une métropole verte. Je pense, lorsqu'on va être fier des poubelles qu'on produit et surtout de celles qu'on ne produit pas, et aussi lorsqu'on va prendre conscience des conséquences de notre surconsommation et de la disposition des matières qu'on consomme après leur vie utile. Je pense que lorsqu'on aura, en tant que citoyen montréalais, compris ça et réalisé ça, que finalement, notre consommation porte à conséquence et que justement, on ne veut plus embêter les autres régions avec nos poubelles parce qu'on les prend en charge sur notre territoire, je pense que là, on va dire oui, mission accomplie, on est résilient et on a fait de nos poubelles une richesse. Donc, je pense que c'est un petit peu ce vers quoi on devrait aller. Top chrono. Merci. Et Amélie?
Oui, merci. J'irais vers poursuivre et concrétiser aussi l'engagement politique envers la réduction à la source et le réemploi en incluant le reconditionnement, le partage et la réparation comme stratégie de circularité prioritaire avant le recyclage. Donc, vraiment, beaucoup d'efforts sont déployés pour travailler sur l'économie circulaire, mais pour moi, le recyclage ressort encore trop souvent comme la stratégie qui est mise en valeur finalement dans les différentes initiatives. Si j'avais un souhait, c'est que l'économie sociale fasse partie intégrante de la solution aussi des actions qui seront mises en place parce que justement, elle est plus solidaire, le modèle économique a plus de sens aussi et plus cohérent avec une transition écologique. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci pour d'avoir répondu à ces questions. Très intéressantes toutes ces réponses. J'en conclus qu'un déchet n'est pas vraiment un déchet, mais il y a plusieurs potentiels à y voir. Donc, on va prendre des questions. Il y en a quelques-unes qui étaient dans le chat. Donc, si les gens qui sont là veulent poser d'autres questions, vous êtes les bienvenus. On va commencer par une question de l'EPOAG. Désolée pour si je déforme le nom. En Europe, on a entendu parler de l'indice de réparabilité. Est-ce que l'on pousse au Québec ou au Canada pour avoir ce même type d'indicateur ou est-ce un faux problème? Je ne sais pas qui veut répondre à cela en premier. Je passe la parole à Mme Langlois-Blouin. Et ensuite, Amélie. Merci. Très intéressant, effectivement, les démarches au niveau de l'Europe pour la réparation, le droit à la réparation aussi. Au Québec, il y a eu une consultation, là, vous le savez, de l'Office de la protection du consommateur qui travaille toujours à réviser la loi sur la protection du consommateur sur ces éléments-là. Et du côté de Recé-Québec, on a travaillé en partenariat avec Protégez-vous, qui est un magazine quand même bien implanté au Québec depuis de nombreuses années, qui guide les consommateurs sur les meilleurs choix pour différents produits. Maintenant, dans leur test, et on le fait en pilote et ça va se systématiser dans d'autres catégories, ils intègrent non seulement la notion de coût d'achat, d'expérience aussi d'utilisateur, mais aussi de réparation. Donc, est-ce que si mon barbecue brise ou si j'achète tel produit versus l'autre, est-ce que je vais être capable de le faire réparer? Est-ce que je vais avoir accès à des pièces de rechange, etc.? Donc, c'est très intéressant pour guider les choix de consommation, on en parlait, parce que des fois, on est prêt à payer un petit peu plus pour quelque chose qui va nous durer plus longtemps. Enfin, pas des fois. Moi, personnellement, je suis prête à payer un peu plus pour un produit qui va me durer beaucoup plus longtemps puis que je vais être capable de réparer. Je pense que ce n'est pas un faux problème. Au contraire, il faut s'y attarder. Puis il y a quand même des développements dans ce sens-là. Puis il faut beaucoup travailler au niveau de la conception des produits. Je le mentionnais. La réparation est aussi bonne que comment on peut défaire ou réparer le produit. Donc, je pense qu'il faut que ça soit intégré beaucoup plus dans les pratiques des entreprises, de développer des produits qui peuvent être réparés puis de rendre disponibles des pièces de rechange, par exemple, sur une durée de vie. L'exemple européen que j'ai, c'est le groupe Seb qui fait des électro... qui produit des électroménagers puis qui rend disponible des plans détaillés de toutes les pièces dans leurs produits puis rend disponible les pièces. Donc, il y a un gros potentiel pour ça, puis je pense qu'on a, on a un effet de levier à faire au Québec, puis plus large qu'au Québec aussi, parce qu'on sait que les producteurs ne sont pas juste au Québec. Donc, je pense que ça va, c'est un chantier d'avenir là, pour nous. Excellent. Je vais passer la parole à Amélie, ensuite à Karel. Je vais poursuivre sur le groupe Seb parce que je trouve que c'est intéressant. Justement, ils ont aussi développé tout un réseau de réparateurs en France et un petit peu plus largement en Europe. Puis je pense que ça va être un élément clé pour s'assurer que la réparation prenne plus de place
C'est-à-dire qu'il y a une perte d'expertise, de connaissances sur les méthodes de réparation. On n'a pas nécessairement suffisamment non plus de formation professionnelle sur ces techniques-là, alors que si on veut penser à une économie de la transition écologique, la réparation ferait clairement partie de la solution. Donc, c'est un métier qui devrait être un métier d'avenir aussi. Puis plus spécifiquement sur l'indice de réparabilité, je vais aussi revenir sur les consultations publiques qui ont eu lieu pour modifier la loi sur la protection du consommateur. Il était notamment question d'avoir un indice de réparabilité, de durée de vie moyenne aussi des objets, donc quelque chose qui serait obligatoirement affiché sur les objets que l'on achète. Puis si ça se passait bien, l'objectif, ce serait aussi que cette durée de vie moyenne-là augmente au fil des années parce que les producteurs ont des incitatifs à produire des objets qui durent plus longtemps et développent davantage l'expertise de la réparation. Mais ça, c'est quand même, je vais le rappeler, une consultation publique qui s'est terminée en décembre 2019. L'Office de la protection du consommateur n'a pas encore donné suite à cette consultation et je l'espère, au courant des prochains mois, on aura un suivi à ce niveau-là parce que le processus de modification législative prend quand même du temps et ce sont quand même d'importants défis aussi auxquels s'attaquer, d'avoir à afficher la durée de vie, la réparabilité des objets. C'est quand même un très, très gros chantier, mais qui va être super pertinent et qui requiert énormément d'expertise technique aussi pour analyser tout ça. Donc, moi, je crois que c'est absolument pertinent d'avoir un indice de réparabilité parce que si l'information était disponible au moment de l'achat, je peux vous garantir que peut-être que mes amis ne sont pas représentatifs de la moyenne, mais j'ai l'impression que quand on achète un objet, on a envie qu'il dure le plus longtemps possible. Donc, de savoir qu'il dure 15 ans puis qu'il est réparable et qu'on va avoir accès à des pièces, ça va être un avantage concurrentiel à terme. Donc, j'espère bien qu'on suivra l'exemple de la France à ce niveau et le plus rapidement possible. Merci. La parole est à Karel. Toutes ces réponses, là, je suis d'accord avec ce que Sophie et Amélie ont dit. Elles ont couvert pas mal large là, la question de justement l'indice de réparabilité. J'abonde entièrement dans ce sens-là. C'est essentiel. Je rajouterais que c'est pas nouveau. Hein, ça veut dire, en fait, ce qui est nouveau, c'est justement c'est le consommé jeté. Ça, c'est nouveau d'il y a une trentaine ou quarantaine d'années, mais avant, tout était conçu pour être réparé et durer longtemps. Les laveuses, même les télévisions, les sécheuses. Moi, je me souviens, je l'ai dit encore, je suis vieux, j'ai déjà fait réparer des télévisions dans mon jeune âge et je l'ai encore aujourd'hui, j'écoute des vidéos dessus. Donc, on a oublié ça. Et aujourd'hui, c'est ce vers quoi on devrait tendre. Donc, passer d'une économie de consommation à court terme vers une économie de service. Donc, lorsqu'on parle de réduction de la consommation, moi, je ne suis pas tellement d'accord parce qu'on va simplement faire, comme Amélie l'a dit, une transition. C'est-à-dire justement aller davantage vers acheter un service plutôt qu'acheter un bien, faire réparer une télévision, faire réparer une laveuse. Ça se faisait, ça peut très bien se faire, sauf que là, on vit dans un monde où ils font consommer et jeter et les dépotoirs sont à l'avenant, les lieux d'enfouissement technique sont à l'avenant, mais il faut changer ça. Ce qu'a fait l'Office de la protection du consommateur, ça m'a agréablement surpris parce qu'effectivement, il ratissait comme pas mal l'âge et on a pu s'expliquer plein de notions comme ça qui sont très intéressantes. Et comme Amélie l'a dit, j'espère que ça va vraiment déboucher sur quelque chose de concret parce qu'on n'a pas le choix. Là. On ne peut plus vivre comme on vit actuellement là, d'une économie linéaire, comme on dit, du consommer jeté. Donc, il faut vraiment s'orienter sur du durable, sur du réparable et surtout sur du nécessaire. Parce que c'est toujours la première question qu'on doit se poser. Est-ce que j'en ai besoin avant d'acheter quelque chose? Donc, merci, Karel. Le temps file. Je sais qu'Amélie voulait dire autre chose, mais j'ai deux autres questions. Ah, OK. Donc, il y a une question de Teresa Alper qui demande, selon le principe d'économie circulaire, pourrait-on envisager la distribution du compost issu de la collecte des matières organiques vers le secteur agricole, plus particulièrement le réseau qui fournit les paniers bio?
Est-ce que quelqu'un veut se lancer? Je peux peut-être répondre. Ça se fait dans plusieurs municipalités, hein, où il y a de la collecte des matières organiques. Il y a une partie du compost qui est redistribuée gratuitement, par exemple, aux citoyens. Donc, puis les composts, mais certains biosolides aussi municipaux, notamment là, les bouts des usines d'épuration qui respectent les normes, peuvent être épandus sur les champs agricoles. Donc, ça se fait déjà et c'est une pratique, oui, qu'il faut encourager parce que ça permet le retour de la matière au sol. Donc, on vient vraiment faire boucler la boucle, là. Donc, il y a plein d'exemples au Québec qui existent sur lesquels on peut, desquels on peut s'inspirer. Pour ce qui concerne là, l'utilisation sur des terres où il y a des fruits et légumes, c'est sûr qu'il y a certaines normes d'utilisation aussi à respecter, là. Mais je pense que si tout se fait selon les normes, pourquoi pas? Au contraire, on devrait l'encourager. Karel, je te vois hocher la tête. Oui, ça me trahit là, mes expressions faciales, là, je devrais faire attention. Mais oui, je suis entièrement d'accord. Et en fait, c'est ce qu'on devrait encourager. En fait, c'est ça l'objectif de traiter la matière organique. Hein. Ce n'est pas nécessairement faire du biogaz pour faire du gaz naturel. Moi, je pense que ça, c'est un à côté. Ce qu'on devrait vraiment faire, c'est traiter la matière et gérer la matière comme il se faut. Et pourquoi pas la redonner à des agriculteurs qui vendent qui font des paniers là, pour la communauté. Donc, mais effectivement, il y a certaines contraintes là, au niveau justement des petits fruits, des petits légumes, des choses comme ça, au niveau des biosolides. Mais c'est ça l'objectif. Donc, il devrait y avoir un maillage justement entre les usines de compostage ou les infrastructures de compostage ou de biométhanisation et des agriculteurs locaux. Et ça se fait, comme Sophie l'a dit, là, dans bien des régions, justement, il y a des grosses plateformes ou des infrastructures, ça veut dire il y a déjà des maillages comme ça. Ça reste à être développé, mais je crois que ça c'est sur la bonne voie. Merci beaucoup. Une autre question de l'EPOAG. Donc, avec la pandémie, on a vu réapparaître une tendance qui commençait à disparaître, emballer les fruits et les légumes avec une pellicule de plastique. Pourquoi alors on veut abolir les sacs de plastique qui sont devenus payants? On ne peut pas tout simplement interdire cette pratique. Est-ce que, Amélie, comme veux-tu commenter cette question? Oui, bien, en fait... Les sacs et pellicules de plastique, c'est vrai, en plus, c'est le même matériau, puis il y a très peu de débouchés, hein, c'est important de le mentionner. En ce moment, il y a pas beaucoup de marché pour les sacs et pellicules de plastique. Je pense que les centres de tri sont un petit peu mal pris avec ces matières-là en particulier. Ben, de la même manière, j'ai l'impression qu'au niveau d'une épicerie, bon, la réglementation pourrait se préciser par rapport à l'usage des sacs et pellicules de plastique, étant donné que ce sont des emballages qui sont faits souvent sur place. Par contre, pour moi, ce qui serait le plus porteur, c'est d'y aller à l'échelle provinciale, parce qu'en ce moment, les municipalités, pour elles, c'est quand même relativement complexe d'imaginer des projets de règlement qui permettent de bannir certains articles. Puis s'il y avait une uniformisation de ces pratiques-là, ce serait beaucoup plus simple à comprendre, à gérer aussi, je le crois. Donc je pense que c'est possible de tout réglementer, mais c'est l'applicabilité aussi. Donc, si par exemple, on réglemente ça à l'échelle de la municipalité, faut aller aussi vérifier de quelle manière c'est fait, effectivement. Donc, il faut qu'il y ait des inspecteurs qui soient mobilisés autour de ça. Donc, l'applicabilité de ça est plus complexe. Mais je crois qu'on a beaucoup de sensibilisation à faire sur... parce qu'il y a eu une recrudescence avec la pandémie, en fait, de l'usage unique en général, perçu comme étant plus sanitaire que ce qui est réutilisable, alors que ce n'est pas le cas. C'est vraiment la question des processus. Donc, c'est de réduire le contact de biens désinfectés qui va permettre de réduire les risques de transmission. Donc, un gobelet jetable n'est pas plus propre qu'un gobelet réutilisable. Donc, pour moi, il y a beaucoup de mythes à démoulonner autour de ces questions-là. Donc, ça vaudrait la peine aussi de faire de la sensibilisation puis de la communication à ce sujet. Merci, Amélie. Le temps file, mais je vais laisser la parole une brève minute à Sophie pour ensuite repasser la parole au CRE Montréal.
Je pourrais vous en parler pendant des heures de ce sujet-là, bien honnêtement, mais je voulais prendre le temps d'intervenir pour dire, nous, de notre côté, là, RECE Québec, c'est vraiment, on travaille parce que on travaille sur le durable ou la réduction à la source, c'est certain. Mais dans le secteur de l'emballage, il y a une interface qui est importante avec le gaspillage alimentaire. L'emballage a une fonction, pas toujours, je suis d'accord avec vous, mais des fois, il y a une fonction de protéger l'aliment qui fait aussi qu'on réduit à terme le gaspillage alimentaire. Donc, il faut faire attention, tout n'est pas blanc ou noir. Puis, on a collaboré à une étude pan-canadienne dont les résultats ont été publiés l'an dernier, qui sont très éclairants sur comment travailler à la fois sur l'emballage et le gaspillage alimentaire afin de réduire les deux, mais de façon cohérente pour qu'il n'y ait pas d'effet indésirable. Puis j'ai un collègue qui dit souvent, du jetable pour du jetable, c'est peut-être pas la bonne option. Donc, d'aller vraiment vers la réduction à la source ou les produits réutilisables, c'est vrai pour les sacs d'emplettes, puis ça, c'est vrai pour les tasses de café, parce que des fois, les alternatives au plastique ont plus d'impact. Ça peut être le cas pour le papier carton, ça peut être le cas pour les produits compostables aussi, malheureusement. Donc, vraiment revenir en amont dans la hiérarchie puis de regarder réduction, réemploi. Merci. Un grand merci encore à vous trois d'avoir été là pour le panel. Je laisse la parole à Emmanuel, je crois. Merci beaucoup. Oui, ben merci. Je serai vraiment très bref, mais je veux vraiment remercier les trois panélistes, puis Eve aussi pour l'animation. Je pense que c'est un sujet qui on pourrait en parler de longues heures et de longues heures, mais beaucoup de pistes intéressantes qui ont été soulevées par nos trois panélistes. Je pense que la conversation continue et va continuer dans les prochains mois, prochaines années, avec certains grands rendez-vous en termes de consultation aussi. Donc merci beaucoup. Merci aux participants aussi d'avoir bravé le soleil et d'être restés avec nous tout ce temps de midi. Le prochain rendez-vous de notre côté, c'est le gala, donc le 29 avril à midi. Puis d'autres rendez-vous, d'autres conférences qui vont suivre dans les prochains mois aussi. Donc, restez à l'affût sur notre site web ou via notre infolettre. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Encore merci aux trois panélistes et à Eve. Et je vous souhaite une très bonne après-midi. Merci beaucoup. Merci, bonne journée à tous.